C'est un véritable imbroglio qui a secoué le célèbre concours de beauté. En effet, la joie a été de courte durée pour la Miss Nouvelle-Calédonie 2023, Mathilda Lelong, élue samedi soir face à six concurrentes. La jeune femme de 24 ans, qui suivait les traces de sa mère également couronnée en 1996, a été destituée trois jours à peine après son sacre. La raison? Une erreur de comptage des votes. À lire également « J'espère que ce ne sera pas moi », pourquoi Valérie Bègue croisait les doigts pour perdre l'élection de Miss France 2008 au premier tour, c'est bien Mathilda Lelong qui arrivait en tête parmi les sept jeunes femmes engagées. Mais pour le second round, celui qui ne se déroulait plus qu'entre quatre candidates, le règlement prévoit que les compteurs soient remis à zéro. Une erreur a terni le décompte des voix du jury à ce niveau de l'élection, détaillent nos confrères de la première. Destituée, Mathilda Lelong n'est désormais plus que la troisième dauphine de Miss Calédonie 2023. La couronne a finalement été remise à Emma Grousset, 21 ans, qui n'était que quatrième lors du décompte erroné. Une bonne nouvelle pour la jeune femme, qui face au déboire de sa malheureuse concurrente a eu beaucoup de mal à célébrer sa victoire. C'est sur les réseaux sociaux que la lauréate officielle de Miss Nouvelle-Calédonie s'est expliquée, à lire également clichés sexy, destitution, tatouage. Ces Miss qui ont fait scandale, photo, c'est avec beaucoup d'émotion et d'appréhension que je prends la parole aujourd'hui. Les derniers jours étaient accompagnés d'une saveur très particulière. Un mélange de joie, de tristesse et de profonde empathie a souligné la sœur du champion de natation Maxime Grousset avant d'ajouter « Il m'était difficile de me réjouir de cette victoire en sachant pertinemment qu'elle ferait souffrir la première concernée par cette erreur ». Emma Grousset a conclu son message en remerciant ses supporters tous les Calédoniens et Calédoniennes, mais également bien d'autres, qui nous ont soutenus durant cette période difficile. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Emma Grousset @emmagroust.